Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager un nouveau tirage avec vous. Donc on va commencer ce tirage du jour. On va voir un petit peu ce qui ressort pour cette journée. Alors, on mélange. Oula, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a le lâcher prise. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise, à rester positif dans toute situation. Ensuite, on a l'expression. On vous invite à exprimer ce que vous ressentez avec clarté, amour et honnêteté. Et ensuite, on a la prière. Cher ange, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane, de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc ça, c'est une magnifique carte. Et on a la carte du jugement. Balaye ta crainte d'être jugée. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc là, on a de très beaux messages aujourd'hui, très encourageants, qui vous invitent à aller de l'avant, à pouvoir poursuivre votre chemin. Alors, on va continuer, on va prendre le petit le Normand pour voir ce qui ressort. Ce tirage du jour m'a beaucoup manqué. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On va voir ce qui ressort pour ce jour. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, je mélange, je me concentre. Quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous? On coupe. Nous avons le cœur et la croix. Alors là, on nous parle de quelque chose qui peut toucher votre cœur. Donc, il peut y avoir une peine de cœur, quelque chose qui a besoin d'être compris. On voit qu'ici, il y a beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup d'amour. En tout cas, on voit qu'ici, cet amour va vous permettre d'avancer. On voit qu'il y a une énergie d'entente par rapport à votre situation. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'apaiser une situation. On a la sérénité, on a l'amitié et on a le cavalier. Alors, des nouvelles d'un ami, vous pouvez recevoir des nouvelles d'un ami, des nouvelles qui apportent de la sérénité. Mais c'est également une personne qui vient vers vous. On a une énergie nouvelle, on a cette énergie de nouveauté. Donc on voit qu'ici il y a du renouveau, il y a quelque chose de neuf qui est apporté, mais également par rapport à une amitié, par rapport à un lien. On voit qu'ici vous allez pouvoir vous entraider et également apporter une grande sérénité par rapport à votre situation. On va rajouter quelques cartes. Alors on a la faux, on a le bouquet, on a l'arbre, l'ours, le trèfle et l'anneau. Alors ici, on voit qu'il y a un bonheur par rapport à un lien karmique. Donc il peut s'agir d'un lien de nouveauté par rapport à un lien karmique, d'une prise de décision qui va vous permettre d'avancer. On voit qu'ici, il y a des choix qui sont faits, qui vont vous amener de la force. On voit qu'ici, les choix que vous allez faire vont vous permettre d'avancer avec force et courage. Ça peut être également une décision sur le plan finance par rapport à des nouvelles. Mais ici, on voit qu'il y a également un lien, une entente, un partage, le fait d'avancer dans une situation et de pouvoir apporter de la chance. Donc, il y a de la chance qui arrive à vous, une opportunité qui va vous permettre d'avancer. On voit qu'ici, il y a une construction qui se fait, quelque chose qui se renforce, quelque chose qui est apporté, qui va apporter également un lien, une entente, un partage. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie ressentie. Alors, on va continuer. On va prendre le 77. Alors, on a la carte du livre. Alors, le livre va nous parler de nouvelles connaissances, d'un apprentissage. Ça peut être également une formation. Quelque chose que vous apprenez. Donc on voit qu'ici, vous apprenez quelque chose d'important. Vous apprenez quelque chose qui va apporter une fête. Alors, ça peut être une célébration. Vous allez apprendre quelque chose qui va apporter une célébration. On voit qu'ici, avec le oui, il y a quelque chose de très positif qui va amener un nouveau départ.
Ça peut être également un voyage, un nouveau départ pour vous. On a la carte du mont, on a la patience, la femme et la carte de l'introspection. Ici, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point et de pouvoir dépasser des blocages. Donc on voit qu'ici, pour vous, ça c'est très positif, ça amène des changements, ça apporte une construction. Donc vous dépassez des blocages, vous allez au-delà d'une situation. On voit qu'ici, pour vous, c'est du savoir, de nouvelles connaissances qui sont apportées et c'est le fait d'avancer par rapport à votre situation. Mais également quelque chose qui est fêté par rapport à ce nouveau départ, par rapport à quelque chose que vous apprenez. Avec beaucoup de patience, avec beaucoup de temps, beaucoup d'investissement dans une situation et beaucoup de temps qui est fourni pour pouvoir avancer. Alors, je continue. On va prendre celui-ci pour voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour ce jour. Quelles sont les énergies ? Je vous souhaite aussi une très très belle année, une très belle année 2020. Plein de belles choses à vous. On a le mariage, la libération et âme sœur. Donc là, c'est très positif. On nous parle d'une relation où les choses évoluent. Il peut s'agir d'un mariage, d'un engagement, mais on vous dit aussi libérez-vous. On vous invite à vous libérer intérieurement de vos blocages, de tout ce que vous pouvez dépasser. Il s'agit également d'une relation d'âme sœur. Donc là, on voit qu'il y a un lien très important, un lien qui amène du renouveau, quelque chose de neuf. Donc pour vous, c'est une évolution vers un mariage, vers un engagement. Vous évoluez avec beaucoup de passion aussi, beaucoup de confiance aussi dans une situation amoureuse. Et il y a également des changements, une lune de miel ou des moments à deux, des moments qui sont partagés pour évoluer ensemble. Ici, en tout cas, les énergies sont très positives. Elles sont très positives et très puissantes, c'est ce que j'allais dire ici. On voit qu'elles sont très puissantes, très positives et qu'elles amènent du changement. Donc une évolution vers une passion, une libération intérieure et une évolution avec son âme sœur, avec du partage, des émotions ressenties. Et il y a également une lune de miel, donc ça peut être des moments à deux, des moments de partage, une lune de miel, des moments qui sont ressentis et qui sont partagés à deux. Alors je continue, on va prendre, je réfléchis, on va prendre celui-ci. Alors quelles sont les énergies qui vont ressortir? On a la carte du mensonge. Alors peut-être qu'ici il y a eu quelque chose. Alors il peut s'agir d'un mensonge aussi, mais il y a également le fait qu'il y a peut-être une perturbation. Donc on voit qu'ici il y a une perturbation, le fait de comprendre une situation. Peut-être que vous ressentez aussi une perturbation extérieure par rapport à une situation amoureuse. Donc on voit qu'ici vous avez besoin de recevoir des signes, de comprendre une situation pour pouvoir avancer. Mais il s'agit en tout cas de signes et du fait qu'on dit adieu à la routine. On passe dans une énergie nouvelle, dans un renouveau. On voit qu'ici, il y a une transition importante et c'est le fait d'avancer, de comprendre une situation. Il y a le fait de pouvoir comprendre quelque chose, comprendre et dire adieu à la routine. Alors, je vais prendre celui-ci. On va voir sur le plan général ce qui ressort. On a la carte du printemps. Donc la carte du printemps nous parle de fleuries, de choses qui fleurissent, d'un fleurissement, je ne sais pas si ça se dit, mais je ne pense pas, mais de choses qui fleurissent. Alors on nous parle de la famille aussi, on nous parle de la famille, des amis, des personnes qui vous entourent. Il peut s'agir également d'un lien familial qui va fleurir, quelque chose qui va être apporté au niveau familial. Il y a une conversation aussi, vous allez discuter, vous allez échanger pour pouvoir retrouver une direction. Mais on vous dit oui par rapport à ça, par rapport à ces échanges, on vous dit c'est positif pour vous, vous allez pouvoir reprendre une direction. La signature, Sagittaire et l'inconnu. Donc vous vous lancez vers l'inconnu, vous vous lancez dans quelque chose, vous avez peut-être ce sentiment d'avoir pris une mauvaise direction, mais on voit qu'il y a des conversations. On voit qu'il y a des conversations pour apaiser quelque chose dans un lien familial. Il peut y avoir quelque chose de très positif au niveau d'un engagement aussi, au niveau d'une signature. Donc là, vous allez être amené à vous engager dans quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est signé, un papier. On voit qu'il y a une officialisation par rapport à vos projets.
Alors, on va voir quel est le message pour ce jour. Quel est le message qui va vous accompagner? Pardonnez-moi. Je tousse. Alors, quel est le message qui va ressortir pour ce jour? On a l'affirmation, on a le pessimisme et le oui. Alors, pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Donc là, il s'agit de rester optimiste par rapport à vos projets pour pouvoir amener un changement. On a l'affirmation. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Donc là, il s'agit d'une affirmation, de quelque chose qui va vous permettre de défendre vos opinions pour pouvoir obtenir satisfaction. Oui, tu vas réussir, oui, tu es capable, oui, c'est favorable pour toi. Et fonce. Donc là, on vous dit vraiment fonce. Tu vas pouvoir aller au bout de tes objectifs et atteindre tous tes objectifs de vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a résonné en vous, dans votre cœur, qu'il a résonné à l'intérieur de vous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver, je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2020 et ça me fait énormément chaud au cœur de pouvoir repartager des moments avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis un grand merci !